Et on retrouve Sébastien Ogier et Julien Gracia. Pourquoi pas une 5e victoire ici en Grande-Bretagne. Ce serait le record absolu. Une 4e de la saison après le Monte-Carlo, après le Mexique, puis le Tour de course. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas gagné. Depuis le mois d'avril, très exactement, Sébastien Ogier. Et surtout, eh bien, la possibilité de faire une excellente opération en championnat. Au premier intermédiaire, ils sont en avance de 6 dixièmes par rapport à Thierry Neuville. Et il l'a dit, je la veux cette victoire, Sébastien Ogier. Et je vais me battre pour la décrocher. Regardez cette accélération, 180 km/h dans la descente. Une spéciale qui ne lui avait pas réussi en 2011, où il avait été victime d'une sortie de route et d'un abandon. À l'époque, c'était au volant d'une Citroën DS3 WRC. Des couleurs qu'il va retrouver à partir de la saison prochaine, où il pilotera une C3. Ça a été annoncé la semaine dernière. L'arrivée dans la ville de Clan-du-Dneau, la station balnéaire. Cette chicane, une accélération jusqu'au rond-point. Voilà, on arrive au rond-point. Et nous sommes, allez, à quelques mètres d'une 5e victoire ici en Grande-Bretagne pour Sébastien Ogier, la 44e. Voilà, c'est fait en WRC et surtout il se replace au championnat. Il revient en deuxième position à seulement 7 points de Thierry Neuville, Sébastien Ogier et Julien Gracia. Alors on voulait absolument vivre ça en direct sur la chaîne L'Équipe, le championnat du monde qui est relancé, la victoire, la performance de Sébastien Ogier. On en profite quelques instants avant de retourner au cyclisme. Ah ouais, c'est absolument incroyable. Et regardez la joie et cette hargne pour, eh bien, après avoir eu un problème, et les félicitations de Yari Matilatvala. Ce matin, il a vraiment fait la différence. On le rappelle, Yari Matilatvala avait repris le dessus, avait repris la tête de course et finalement, eh bien, Sébastien Ogier a répliqué.